c'est-à-dire des êtres vivants qui ont besoin d'un autre pour se développer, hein, je reprends l'idée de tout à l'heure, eh bien, on constate que lorsque, accidentellement ou expérimentalement, on les prive de... cet autre, eh bien, voilà ce que ça donne, augmentation des activités auto-centrées, c'est-à-dire qui se balancent, et il n'y a pas d'autre. La seule autre, c'est des activités auto-centrées, et lorsqu'il y a une émotion très forte, le rat, là, est en train de se couper la queue en deux. J'ai vu un singe qui avait été isolé, qui s'est planté le pouce dans les yeux, qui s'est crevé l'œil. C'est parce que il n'y a pas d'autre. Donc, une émotion très forte, hop, il s'auto-agresse. Alors, est-ce que...